Les règlements taxes, on va vous en repasser toute une série que la loi nous impose de repasser. D'abord, la taxe additionnelle au précompte immobilier. Nous ne changeons pas depuis de nombreuses années. 1650. Oui, Michel. Elle voulait faire absolument conseil plus tôt, je pense. Donc, 2650. La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Nous ne l'avons pas changé non plus. Donc, Pierre, c'est à 7,8. La taxe environnementale pour le traitement des déchets ménagers et assimilés. Ça ne change pas non plus. Donc, c'est à... Ça ne bouge pas. La taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers par conteneur à puce, elle reste la même également. Il y a quelques adaptations, mais vraiment pour des centimes, hein, sur les délivrances de documents administratifs. Alors, redevance pour occupation d'espaces publicitaires sur le domaine public, ça, on peut peut-être en dire un tout petit mot quand même. En fait, vous savez qu'on avait lancé une opération de publicité sur les abribus, qui a bien fonctionné. Alors, on fait une distinction selon que le demandeur est ou non domicilié sur le territoire de Christenay. Donc, on a fait le choix de travailler par mètre carré et selon la durée de présence de la publicité, à savoir 3 mois, c'est 50 euros le mètre carré, 6 mois, c'est 100 euros, et 12 mois, c'est 150 euros. Si vous n'avez pas la chance d'habiter dans la plus belle commune de Wallonie, eh bien, vous verrez votre tarif lourdement augmenté. 3 mois, c'est 150 euros, 6 mois, c'est 250 euros, et 12 mois, c'est 400 euros. Voilà. Y a-t-il là-dessus des questions, des remarques? Non. Ensuite, on a également le tarif horaire pour la mise à disposition du personnel ouvrier communal et du matériel. Il est déjà arrivé, effectivement, que nous devions procéder à des interventions spécifiques. Et donc, nous prévoyons un tarif horaire qui est officiellement fixé, 30 euros par heure et par personne. Le tarif de la mise à disposition de matériel est fixé comme suit. Barrière Nadar, 4 euros par semaine. Panneau de signalisation, 1,5 euros par semaine. Et une caution de 50 euros est déposée au service travaux. Donc on peut racheter beaucoup de panneaux à ce prix-là. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, Pierre? Oui. 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 Oui.